Damn, vous êtes sérieux là? Vous êtes en train de tuer des enfants? Non! Dude! C'est juste pas possible, tu peux pas commencer ton jeu en me montrant un truc aussi horrible. Oh non. Oh non. Est-ce que t'es en train de me dire que ce jeu ressemble à Pity? Bonjour à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue à tous dans Visage. Visage est a priori un jeu qui s'inspire énormément de Pity Silent Hill. Vous savez, ce petit jeu sympathique dans lequel nous étions perdus dans les limbes en train d'avancer sans cesse afin d'essayer de trouver sa voie. Progress Room. Cette pièce contient les objets qui vous permettront de progresser à travers le jeu. Ces objets pourront être récoltés de différentes manières et induiront la fin du chapitre. Une fois collectés, les items apparaîtront automatiquement ici. Ok, très bien. Déjà, on peut commencer par dire que ce jeu est une beauté stupéfiante. Les mecs, ils poussent vraiment l'Unreal Engine dans ses retranchements. Hein, je pense que c'est peut-être là les derniers relents en fait, de l'Unreal Engine 4, avant que peut-être qu'Epic nous annonce un nouveau moteur, ou alors une version améliorée, je ne sais rien. Parce que là, franchement, ils sont à fond. Hello? Hello, Dwayne? C'est Rose, ta voisine. Ouais. Je sais qu'il est tard et que souvent je m'inquiète pour pas grand-chose. Ok. Mais, excuse-moi, Rose, mais je commence à m'inquiéter. Je ne vous ai pas vu sortir de la maison depuis 3 semaines. Hey. Est-ce que tout va bien? Écoute... Pouvez-vous m'appeler pour me dire que tout va bien? Il y a eu une mise à jour Fortnite. Je suis désolé. Bon, eh bien... Au revoir. Bye. Oh, je peux fermer les volets et les ouvrir. God damn it. Ce sofa m'a l'air fort, fort hideux. C'est vrai, il est moche hein, quand même. Hein. Mais il n'y a pas de télé ici, c'est nul. C'est quoi cette boîte? What's in the box? What's in the box? Apparemment, il n'y a pas grand-chose dans la box. J'adore énormément ce réveil. C'est ce réveil qui me permet en fait de survivre à travers la lente agonie qu'est cet appartement sombre et lugubre et sans vie. D'accord, faut pas que je reste dans le noir trop longtemps, sinon je deviens taré. Je ne peux pas allumer... Je peux allumer rien du tout. Donc du coup, on va dire qu'à partir du moment où je suis dans le noir, je vais devenir taré en fait. J'aime pas du tout l'architecture de cette maison. Oh, j'ai besoin de la clé du garage. Donc elle doit être quelque part, par là, je suppose. Vous savez, ce qui inspire pas confiance dans ce jeu, c'est que la lumière est super... je peux remplacer la lampe. Donc en fait, il faut juste que j'arrive... Ah, c'est... D'accord, c'est comme si une version early du jeu, je ne peux pas encore accéder à cette lampe. Purée, c'est vraiment magnifique, on va dire, en termes de graphisme. Vous avez vu ça? Ça fait tellement... Vous êtes sérieux, là? La référence à Pity, elle est même plus cachée, quoi. Oh, il y a un panda là-bas. Ça fait plaisir. Règle numéro 14 du jeu vidéo, je vous attends, les amis, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Qu'il faudrait peut-être nettoyer ses toilettes. Oui, je pense aussi. Apparemment, il a pris des médicaments et il a pété le miroir. C'est une chambre à coucher. Une chambre à coucher d'enfant, je suppose. Wow! Ok, je crois que j'ai eu peur d'un truc, mais je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui... Je sais pas pourquoi. Ne pas acheter ce genre de choses, vous savez. Ne surtout pas acheter des vieux placards qui... Bah, des trucs comme ça, là. Des vieilles commodes d'antan, là. Non, 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 merci. C'est pas cool du tout. Où est-ce que je suis? Ah, mais pourquoi t'as une vieille horloge comme ça? T'es sérieux, frère? Mais comment tu peux dormir avec ça si en plus, toutes les heures, ça sonne? C'est quoi, c'est la mezzanine?
qui permet de regarder et d'avoir une vue d'ensemble sur le salon où il n'y a pas de télé, je le rappelle. Ah si, il y a une télé ! Mais je l'avais pas vue ! Waouh ! What ? Non mais je suis en train de devenir fou parce qu'il y a pas de lumière là. Faut que je me case ici. Faut que je revienne dans la lumière. Reviens dans la lumière, Séros. Sinon tu vas voir des choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est quoi le but ? C'est quoi le but de ce jeu ? À part peut-être se rendre compte que cet homme n'a jamais fait le ménage de sa vie. Je n'ai pas de reflet, je suis un monstre ! Maintenant c'est officiel. Maintenant nous le savons tous. Séros prend beaucoup de médicaments. Il n'a pas de reflet. Et je peux récupérer ce truc-là. Et je vais... Press Eniki to continue. Et du coup, je peux... On se calme, s'il vous plaît. Oh... J'ai trouvé... Hé ! Oh ! Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Stop ! Stop, 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 stop ! Résume ! Attends, je comprends rien du tout ! Je crois qu'il y a des trucs qui se déplacent un petit peu partout. Je vais juste regarder deux secondes. Éventuellement, des fois que... Qu'on puisse mourir... d'une quelconque manière. Ok, auto-saving. Merci bien. Une chambre d'enfant avec une poupée horrible. Cette poupée est horrible. Cette poupée est horrible. Et bien sûr, je ne peux pas allumer la lumière. Pourquoi ? Pourquoi diable ? Pourquoi diable aurait-on besoin d'une... Oh boy ! Est-ce qu'il y aurait... Non ! Stop ! Please ! Non ! Pas de monstre dans le placard ! Pas de monstre dans le placard, please ! On va ouvrir cette vieille armoire. Il y a que des vêtements partout ! C'est un truc où il y a des vêtements partout, je ne peux pas ouvrir ce... Stop that, please. Alors, je vais ouvrir ce placard. Et c'est un grand placard dans lequel il y a un vilain dessin, un petit Teddy Rose, et une knock-knock, et un étrange démon à l'intérieur. Attends. Oh boy! Oh boy! J'ai frappé sur la porte et quelque chose a... Ah! Téléphone, stop that! Ah, c'est bon, je peux ouvrir la porte maintenant. Est-ce que je peux partir par là? Ah oui, je peux partir par là. Il fait trop noir partout. Il fait juste super noir partout. Ça va pas le faire. Ah, va des toilettes, mec. Des toilettes. Les toilettes, c'est la vie, il fait jour. Je sais pas ce que je dois faire. Je dois récupérer des objets. Je dois récupérer des objets. Descends ici. On va éteindre le briquet. Deux secondes. Oh, regarde, ça s'est ouvert ici. Et bien sûr, c'est ici qu'était la télé. Mais oui, mais t'étais pas ici tout à l'heure. T'étais... Il y avait un autre canapé ailleurs. Et quelqu'un regarde une étrange émission de télé dans laquelle une femme caresse un chien. Et ensuite, elle refait... Elle embrasse un homme. Ou pas. Ah non, c'est peut-être sa maman, en fait. J'ai rien compris à l'histoire. Ok, d'accord. Il y a une clé ici. Il y a une clé ici. Open Dynamic Inventory. Pick up. Pick up. Pick up. Store. Merci. Close. Alors, l'inventaire, il est totalement pas cool. Donc j'ai trouvé une clé qui va me permettre d'ouvrir la porte de je ne sais où. T'as la télé. Non, je vais l'allumer en fait. Alors ceci n'est pas available désormais. Alors, il se passe des trucs, mais je ne sais pas trop quoi, en fait. Pour l'instant, je subis pas mal dans le jeu. Ouvre ça. Ah, j'ai du mal avec les portes. Hein. J'ai du mal. Hein. Je sais pas pourquoi, les jeux, ils mettent pas juste un bouton. Stop! Je pense qu'on n'a pas payé le courant. Je pense qu'on a un gros souci, en fait, avec les jeux vidéo de maintenant. C'est qu'ils veulent absolument qu'on essaye d'ouvrir les portes. Alors que j'ai pas envie d'ouvrir les portes, moi. Je veux juste... est-ce que j'ai pas la clé, par hasard? Eh hey, hey.
Ah, je me prends la porte dans la gueule en plus. Ça, c'est pas pratique, en fait. Stop that, please. C'est tellement... Hey. Stop. Ah, je peux allumer la bougie ? Je peux pas allumer la bougie ? Stop. Attends. Oh. Ah ! Attends. Store. Store. Obtain. Hein ? Store. Obtain. Voilà, j'ai mis la bougie dans mon inventaire. Ça peut peut-être servir plus pour plus tard. Alors, un deuxième briquet. Hein ? J'ai un autre briquet au cas où le premier, en fait, il est plus... On va allumer la... On va se mettre en bougie, alors. En briquet, je veux dire. Et on va descendre tout en bas. Je sais pas pourquoi je vais dans cet endroit qui est totalement horrible. C'est totalement horrible comme endroit. Oh boy. Oh boy. Et là, par contre, ça craint. 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 Où est-ce que je suis ? Putain, pourquoi c'est grand comme ça ici ? Your lighter is nearly up. Stop ! J'en ai une deuxième de toute façon. J'ai besoin d'un basement key. Mais je l'ai, un basement key ! C'est cool, j'ai besoin que d'une seule clé pour voir toutes les portes. C'est moi ou y'a pas de sol ici ? Wow, non. Il allait me pousser à l'intérieur. C'est tellement vicieux. Alors, je vais avoir un léger souci. Non, dépose ça. On n'a pas le temps pour ces conneries, frère. Je vais avoir un léger souci parce que je sais pas comment faire... Ah, ben voilà. Frère ! C'est quoi, ça ? Pourquoi tu fais des mises en scène comme ça, franchement ? Non ! Si c'est en construction ici, quoi. L'isolation n'a pas été terminée. En fait, j'habite dans un manoir, c'est ça ? Et je me suis dit que ce serait pas mal, en fait, de rajouter des couloirs supplémentaires. Éventuellement, ça pourrait être sympa, tu vois. C'était pas... Alors, c'est petit, c'est empty. Donc, du coup... Celui-là est pas empty, du coup. Heureusement que j'ai récupéré un deuxième. Ah, ok, d'accord, j'ai fait le tour. Pourquoi les portes s'ouvrent dans ce sens-là ? Encore des toilettes ? Il y a des toilettes partout dans cette maison. Si jamais, en fait, t'as besoin d'aller aux toilettes, t'as pas de soucis, quoi. Auto-saving. Merde. Ok. Alors, je vous avouerai que le bruit que j'entends actuellement n'est pas très les plus rassurants. Please, c'était un placard. Ok, c'était juste l'ombre. T'es sérieux, toi ? Quelque chose joue avec les poupées ici. Pourquoi il y a multi... Pourquoi il y a 20 millions de salons aussi ? Pourquoi faut que je m'approche de ce truc ? Store. Y'a rien, c'est un... C'est... Ah, y'a une poupée russe quand même dedans. Ah, c'est ce que je devais... C'est ce que je devais récupérer. Je devais récupérer la poupée russe. Quelque chose prend des photos là-bas. Hé, hey, paparazzi. On se calme, hein. Wow. What? Ce n'est pas available. Attends, il se passe un truc. Pick up. Use. Oh boy. En fait, le dessin montre une petite fille qui se pique. Et ici, une ombre. C'est une sorte de...
C'est un chauffe-eau, en fait. C'est là où il y a le chauffe-eau. Ok, l'ombre va là-bas. It lock, nothing. D'accord, c'est bloqué et rien nous dit qu'est-ce qui pourrait la débloquer. Il y a la flèche qui nous indique vers la droite. Oh, il y a, je crois qu'il y a quelque chose là-bas. Oh non. Mm-mm. Ça va me sauter à la gueule, ça. Ça va me sauter à la gueule, je sais pas ce que ça. Oh! 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 Mais je fais quoi? Je la prends en photo? Je la prends en photo jusqu'à ce qu'elle arrête? Elle a un putain de couteau dans la main! Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi, faut que j'avance vers elle? J'aime pas cette idée! J'aime pas cette idée du tout, en fait! Elle se barre! Barre-toi! Allez, vas-y, casse-toi! C'est bien! Gentil petit fantôme! Recule! Haha, tu as peur de mon appareil photo magique? Qu'est-ce que c'est que ça? Examine, c'est une seringue. Je pense que c'est un des objets que je devais récupérer. Est-ce qu'elle veut me dire quelque chose par rapport à tout ça? Je ne sais pas. Est-ce que je dois m'avancer ici, du coup? J'ai pas envie. Bref. Donc, du coup, actuellement, nous nous retrouvons dans une maison, hein, en mode urbex. Et nous sommes en train d'avancer. Je crus entendre, en fait, des bruits paranormaux, hein, quelque part dans la zone. De là à penser qu'une manifestation fantomesque est disponible ici, il n'y a qu'un pas, ok? Du coup, nous allons continuer notre avancée. En fait, tu sais, comme j'ai pas de grande maison, en fait... Enfin, j'ai... une maison comme ça, quoi. Je peux pas comprendre trop le délire, quoi. J'ai tourné en rond, là. Quelqu'un peut me faire le plan de la maison, s'il vous plaît? J'ai l'impression d'être dans l'autre jeu, là, The Conjuring. Même délire. Mauvais délire. Tout à l'heure, quand j'étais rentré ici, il y avait pas de sol. Hey! Se calme, hein. C'est pas drôle, hein. The garage room. J'ai pas la clé du garage. Faut que je trouve la clé du garage qui doit être quelque part. Qui va me permettre, en fait, de passer. J'entends... à nouveau. L'autre, là. Elle a la... Je pense qu'elle a de l'asthme. Ça doit pas être cool tous les jours. Vous avez des problèmes pour respirer, madame? Désolé, j'ai eu peur de la musique. Je dois aller où, du coup? Est-ce qu'il y a une clé quelque part ici? Ah, il y a un autre briquet, là. Allez, storage! Le mec, il marche, il y a 10 millions de briquets ici. Je devrais peut-être pas faire ça. Ouais, voilà. J'allume la lumière et j'ai... What? Yeah! Akimbo briquet, frère! Yeah! Tu peux pas test, zombie! Tu peux pas test, là, hein? J'étais un briquet, j'en ai un deuxième allumé! Your sanity is decreasing fast. Ouais, bah, je veux bien. Ah, mais je sais pas ce que je dois faire, en fait. Alors. Pill, light, candle will keep you sane. Ok, il va se passer quelque chose de mauvais, parce que pendant que je n'arrive pas à faire monter ma sanity, là. Et j'arrive pas à ouvrir cette porte, là. Tu vois? Alors, j'appuie sur 1. Voilà. Ah, parce que j'avais deux shots dans chaque main. Je vais devoir monter. On va voir ce qu'il y a là-haut. Ok.
Très bien. Ça me va parfaitement comme fin. On va dire qu'on va pouvoir s'arrêter ici pour la démo de ce jeu, hein, n'est-il pas? Donc du coup, si vous avez apprécié Visage, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus sur cette vidéo. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Faut voir en fait ce que va donner ce jeu pour plus tard. Parce qu'il est toujours en early access, donc du coup, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'améliorations, je suppose, par rapport au jeu. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de portes qui n'étaient pas disponibles. Et voilà. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous tout partout, c'est Ross out!